Coucou les filles, je reviens avec de nouveau une nouvelle box à vendre. Alors là, je vous fais une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a dans la box. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors ce sera comme d'habitude une box à 40 euros. Il y a un peu de tout. Il y a des produits totalement neufs, il y a des produits que j'ai un petit peu utilisés. Donc comme d'habitude, hein, on va dire que c'est une box, j'appelle ça d'occasion, mais il y a quand même des produits neufs dedans. Donc le premier produit que je prends, c'est un mini rouge à lèvres Sephora de cette teinte-là. C'est la teinte 35 apparemment. 35. Alors, ça c'est un parfum que je n'utilise plus. Je pense qu'il doit en rester la moitié, je pense. Ouais. C'est le Clinique Aromatics in White. Donc qui sent bon. C'est quoi? C'est une petite tache, ça s'en va. Qui sent bon, mais c'est vrai que je l'utilise plus trop. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en vente. Nous avons deux mascaras, un de la marque Pure et un de la marque Lancôme. C'est le Hypnodrama, je crois. Ouais, voilà. Nous avons les fameux trucs liquides pour les dents. J'en ai utilisé un seul. Donc j'ai laissé les deux autres. Voilà. De la marque Alterna, nous avons un spray volume. Donc, comme vous voyez, il y en a encore pas mal dans la petite bouteille. Un anti-cellulite, une crème anti-cellulite de la marque Unani. Une pince à épiler droite. Un crayon pour les yeux de la marque Sephora, une teinte un peu vert bronze comme ceci, neuf. Ça, c'est un baume démaquillant de la marque Emma Hardy. Donc, que j'ai testé, mais il y en a encore dedans. De la marque Caudalie Vino Perfect, c'est une crème nuit peau neuve. De la marque Formula X, un petit vernis transparent, ça doit être quoi? C'est un top coat, voilà. Comme vous voyez, il est neuf. De la marque Sleek, je mets à regret le produit que j'ai reçu là dernièrement. L'highlighter, je ne l'ai même pas testé pour vous dire, mais le bronzer est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je pense qu'il conviendrait mieux à une peau un peu plus foncée que la mienne. C'est vrai que c'est médium. Sûrement que light aurait été beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, je le mets en vente. De la marque Colourpop, nous avons... il y a un peu de saleté dessus, il faudrait que je le nettoie. Une ombre à paupières un peu bronze orangé. Voilà, très 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 jolie. De la marque Humankind, une crème pour le corps. De la marque Smashbox, une photo finish, c'est un primer ça, voilà. De la marque Shi, une huile pour les cheveux au tea tree oil. Donc j'ai testé une fois, mais c'est vrai que je suis pas fan de l'odeur en fait, donc je préfère mettre en vente. Ça c'est de la marque Kiko, c'est une petite palette avec quatre couleurs, voilà comme ceci, donc des couleurs très sympathiques. Hop, la marque Ico. De la marque Wet n Wild. Donc ça, c'est un produit vraiment typique américain qu'on ne trouve pas en France. C'est la Comfort Zone qui est extrêmement connue. Il y a juste un petit bout justement du fard extrêmement connu qui est le même, qui est le dupe de Club de MAC, qui est tombé. Sinon, tout le reste, elle est très peu utilisée. Hein. Si j'arrive à l'ouvrir. Je ne suis pas sûre d'arriver à l'ouvrir. Bref, de toute façon, vous vous rendez compte des couleurs comme ça. Ensuite, de la marque Vegan, un savon exfoliant qui sent super bon, que j'ai testé une fois, mais c'est le genre de produit que j'oublie en fait. Je laisse ça sur ma salle de bain et j'oublie en fait. Voilà, c'est vrai que je pense pas utiliser ça, donc comme vous voyez, en une fois, il n'est pas utilisé. Hein. Ensuite de la marque Spotlight, donc ça c'est tout neuf, hein. C'est des bandes pour blanchir les dents que j'ai pas du tout utilisé. De la marque Briogeo, c'est une brume volumisante. Bon, j'utilise pas ce genre de produit, de toute façon le volume sur mes cheveux ils sont beaucoup trop longs pour qu'il y ait du volume. Ça c'est de la marque Smashbox, c'est ça. C'est un crayon à lèvres fuchsia. Voilà. Ensuite, là, on a pas mal de petits produits. Là, on a des échantillons de Kirines. C'est quoi? C'est un sérum absolu. Ça, c'est pour les yeux de la marque Kirines. Ça, c'est de la marque Caudalie.
C'est Vinactive, c'est un soin hydratant. Hop. Ensuite, de la marque Caudalie, sérum fermeté. De la marque Caudalie, crème nuit peau neuve. Tout ça, c'est neuf. De la marque Dr. Jart, c'est bébé multi-action skincare. Neuf. Ensuite, de la marque Modelco, on a un highlighter bombé, là, pressé. Donc, personnellement, c'est petit, donc je sais que ça se perd dans mon maquillage. De la marque Bitane, un auto-bronzant graduel pour le visage ou le corps. De la marque Jean-Paul Gaultier, un lait parfumé pour le corps, le classique. De la marque Caudalie Vinactive, encore un soin hydratant. On a une petite trousse Dior que je mets dedans. Je mettrai un petit coup de nettoyage parce que là, elle n'est pas très propre, mais ça se nettoie très facilement la matière. Donc voilà. Ensuite, de la marque Clarins, on a trois petits échantillons de rouge à lèvres, comme ceci. Et pour finir, donc nous avons une poudre libre, ça je mettrai du scotch parce que je pense que ça peut partir, de la marque Physicienne Formula. La couleur, c'est bœuf beige, donc c'est à peu près ma teinte 1, peut-être un chouïa plus foncé que ma teinte et encore. Donc voilà, c'est vrai que il y en a énormément dans le pot, mais très très longtemps à y finir. Et je ne l'utilise pas tout simplement, mais je sais qu'elle est très très bien. Donc voilà, les filles, tout ce qu'il y a, ça tient dans un gros sac. Tout ça pour 40 euros. Voilà, vous savez faire, de toute façon, c'est comme d'habitude.